Dimanche 24 juin, dans les rues piétonnes de Bergerac, Canal Pourpre a pu rencontrer deux passions travaillant à montrer ensemble un certain savoir-faire, les voitures anciennes et l'escrime. Donc, je suis M. Martel, président du club des Chevaliers de l'Arbre à Cames à Bergerac, un club auto et moto, à l'occasion donc, aujourd'hui de l'escrime, donc de la botte de Cyrano, concours d'escrime. On nous a demandé d'apporter quelques automobiles anciennes pour faire une exposition. Automobiles anciennes et plus récentes d'exception. On a à peu près une vingtaine d'autos présentes aujourd'hui pour faire connaître notre club. Notre club est donc un club de Bergerac. Nous regroupons énormément de véhicules qui sont de la moto ancienne, de la moto moderne, de l'automobile ancienne et de l'automobile d'exception. Nous organisons des rassemblements et des sorties en plus de journées comme aujourd'hui, d'expositions. Est-ce que c'est la première fois que vous exposez à Bergerac ici ? Alors le club est un jeune club, il a 4 ans d'existence et actuellement nous faisions que des balades, donc oui c'est la première fois qu'on fait pour Bergerac une petite expo. Et une petite expo qui sera bien sûr à renouveler pour les prochaines années. Est-ce que vous pensez dans les prochaines années, avec l'escrime, faire d'autres clubs qui se réunissent de la même façon ? Ah oui, parce que je crois que c'est le but donc, du club d'escrime, d'essayer d'agrandir leur journée avec d'autres événements sportifs. Donc je pense qu'il y aura d'autres clubs qui se grafferont à nous pour les prochaines années. D'accord. Éric Lanus, donc je suis le président des cadets de Bergerac. L'escrime, le club de Bergerac. D'accord, alors pourquoi aujourd'hui cette célébration de l'escrime sur Bergerac ? C'est une tradition depuis, je ne connais pas le chiffre exact, de 60-70 ans. Il y a le dernier dimanche de juin de chaque année. Et donc la compétition loisir épée. Donc c'est une compétition qui réunit tous les de 12 ans jusqu'à 73 ans les tireurs principalement de la région. Cette année, on a 25 clubs représentés. Alors, l'escrime à Bergerac, ça représente en championnat et en compétition à peu près quel niveau ? Alors, au niveau de la compétition d'aujourd'hui, c'est vraiment du loisir, c'est-à-dire que c'est la compétition de fin d'année, on se fait plaisir, on tire à l'extérieur, on sort des salles, c'est un peu la façon de montrer le sport, alors qu'on est un sport bien évidemment un peu caché. Là, c'est la façon de le montrer, puis c'est la façon de se faire plaisir, retrouver les copains d'autres clubs, etc. Au niveau de Bergerac, nous on est un club qui est aux trois armes, donc l'escrime c'est le sabre, le fleuret, l'épée. Donc Bergerac, on propose les trois armes. On est actuellement entre 70 et 80 adhérents. On a des jeunes, on a des jeunes qui sont champions de Dordogne, des jeunes qui sont champions d'Aquitaine, et on a quelques cadets juniors qui ont fait de bonnes performances au niveau national. Alors, est-ce que l'escrime se marie forcément bien avec l'exposition de belles voitures anciennes comme on a pu le voir ? Quelle est la volonté sûrement de faire connaître un peu plus tous les clubs de Bergerac ? Ben, la volonté est de faire effectivement connaître l'escrime, alors faire connaître le club d'escrime à Bergerac, de faire connaître l'escrime en général sur le niveau de la Dordogne. Donc c'est vrai que l'idée c'était de joindre un autre club bergeracois, question de croiser un peu les caractères sans qu'effectivement il y ait de lien direct, au contraire avec le plaisir qu'il n'y ait pas de lien direct entre les deux activités. Alors, quelle est la limite, s'il y en a une, de multiplier par exemple ceux qui pourraient remplir toutes les rues de Bergerac et non pas quelques-unes, qui sont déjà nombreuses? Donc multiplier le nombre de tireurs, vous voulez dire? Le nombre d'associations, quelle est la limite en fait? Moi c'est vrai qu'on peut réfléchir à, même sur le plan de cette année, on avait l'intention de mettre beaucoup plus de points. L'idée c'est de faire un petit circuit itinérant dans Bergerac en y greffant. Alors nous on a un fort partenaire qui est le CIDRB au niveau des lots et au niveau de l'accueil du lieu, puisque les récompenses se font dans le cloître des recollets. Donc c'est lié davantage encore l'escrime et le vin. Ça peut être l'escrime et le patrimoine, ça peut être l'escrime la musique, l'escrime, c'est vrai qu'on peut, on peut y aller gaiement. On est là actuellement 250 tireurs cette année et on ne couvre pas un territoire extraordinaire sur la ville, effectivement on n'a pas de la place. Alors, est-ce que ce genre de manifestation se retrouve davantage sur Bergerac ou est-ce qu'il y a la même chose un peu ailleurs ?
Alors, à ma connaissance, il doit y avoir Hoche qui propose la même activité, c'est-à-dire l'escrime en plein air, et Bergerac. Je ne crois pas qu'il y en ait d'autres en France. L'escrime, par rapport à vous, est-ce que vous pouvez expliquer en deux mots quel est le flash que l'on peut avoir pour choisir ce sport et non pas un autre? Alors moi je ne suis pas escrimeur, je le pratique, donc moi c'est venu par mes garçons qui très jeunes ont flashé pour ce sport. Le peu que j'en ai pratiqué, c'est un sport qui allie réflexion et physique, c'est-à-dire qu'il est autant cérébral que physique. C'est vrai qu'à regarder les physiquement on ne se rend pas compte, mais ça demande beaucoup de au niveau coordination, etc. Pédagogiquement, ça a de fort intérêt. Et après au niveau pédagogique aussi, parce que c'est vrai qu'on traite principalement quand même des enfants, au niveau des pédagogiques, il y a des valeurs telles que le respect, la maîtrise de soi, le respect de l'adversaire, qui sont loin d'être inintéressantes. On dit l'escrime, c'est beaucoup de matériel, financièrement, pour un jeune qui veut démarrer, le minimum c'est combien? Alors, c'est beaucoup de matériel, effectivement. Nous, la volonté du club, c'est que les jeunes jusqu'à 14-15 ans ne soient pas obligés d'investir. Donc, le club investit, prête la première année et loue la seconde année. Une location de matériel, c'est autour de entre 50 et 60 euros. D'accord. Donc, on voit quand même qu'il y a des très jeunes aussi. Tout à fait. On peut commencer l'escrime à 6 ans.